pouvez revenir sur l'objectif de cette rencontre Voilà, d'aujourd'hui? l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment de réfléchir avec les jeunes sur la problématique de la jeunesse africaine. Pourquoi une problématique? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a une certaine croissance démographique des jeunes et d'autre part, il y a une absence de solution au plan politique et économique. Et c'est cette problématique qui nous réunit aujourd'hui autour de la question donc de la jeunesse africaine. Alors, quel est déjà le soubassement de cette association? Parce qu'on a vu pas mal de jeunes dans l'association et qu'ils sont d'âge très, très, très. Voilà, pour ne pas répéter le mot. Donc, comment s'est passée la sélection de tous ces jeunes-là? Voilà, parce qu'on s'est dit que pour parler de la question des jeunes, il faut parler avec les jeunes. Donc d'habitude, ce sont des gens plus âgés qui discutent des affaires de jeunesse. Et au niveau de l'association des juristes, nous avons pu réunir un certain nombre de jeunes chercheurs, des étudiants, et, qui sont aussi des militants dans certaines organisations de jeunes au niveau africain et au niveau national. Et donc c'est ça qui a permis d'avoir ce public jeune pour réfléchir ensemble sur la question de la jeunesse africaine. Et donc l'association des juristes est une association, une ancienne vieille association, je dirais, qui date des années 80 et qui a le statut d'observateur au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. La GIA est aussi membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui de réfléchir d'abord autour d'un bilan, voir un peu de A à Z, de l'agriculture jusqu'à la zone fond, quels sont les problèmes, essayer de les identifier et d'apporter des solutions par rapport, n'est-ce pas, à ces problématiques. Donc ce que nous voulons, c'est proposer en définitive un mémorandum qui sera soumis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et avec des recommandations. Et nous voulons aussi, à travers ce forum, proposer la mise en place d'un haut conseil de la jeunesse africaine qui permettra d'impulser nos dirigeants, de les pousser vers la recherche de solutions par rapport aux problématiques des jeunes qui sont aujourd'hui donc confrontés à la question de la misère, la question de la migration et tout ça constitue des challenges, n'est-ce pas, par rapport à la jeunesse. Comment comptez-vous engager ce référendum, vu aux problématiques de la jeunesse? Oui, ce mémorandum, en fait, c'est un rapport, si vous voulez, avec des recommandations. Donc là, nous avons abordé quelques questions. Donc notamment la question de l'agriculture, la question de la formation, la question de l'emploi, la question de la migration. Mais il y a un ensemble de questions sur lesquelles il faudra se prononcer et faire une analyse approfondie. La question de l'agriculture, je disais, jusqu'à la question de la zone franc. Donc de A à Z, essayer de voir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions à apporter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le problème de la jeunesse, c'est essentiellement une croissance démographique et l'absence de solutions. Donc il faut connaître les gouvernements à trouver des solutions politiques et des solutions durables par rapport à la question de la jeunesse. Par rapport à la question, vous avez pas fait de migration. Il y a deux choses. D'abord, il faut revoir les politiques publiques dans le cadre des politiques de développement. Parce que je rappelais tout à l'heure que tant que les politiques de développement entraînent la misère et la pauvreté, comme le disait Thabo Mbeki à l'époque, la conséquence c'est que les jeunes vont franchir les frontières et aller chercher les ressources là où elles sont. Donc il faudrait faire en sorte que les politiques de développement soient des politiques adaptées par rapport aux préoccupations des jeunes. Et que la misère, la pauvreté puissent reculer à travers ces politiques. Mais tant que ces politiques sont conçues par l'extérieur, pour l'extérieur, les jeunes vont toujours continuer à souffrir par rapport à cette situation. Ensuite, il y a la question de l'insécurité, parce qu'au niveau sous-régional, il faudrait faire en sorte que les actions soient coordonnées, que ceux qui organisent la migration soient sanctionnés et que les moyens de lutte soient fédérés, intégrés. Donc c'est à cette condition qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une solution efficace par rapport à la question migratoire. Si je comprends bien, vous avez parlé de la formation. Est-ce qu'il est possible d'avoir un suivi des anciens?
l'insertion. Bon, la formation de la jeunesse, un thème qui est aussi abordé, c'est un problème qui est au cœur. Parce que celui qui n'est pas formé ne peut pas avoir un emploi, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Donc si les jeunes ne sont pas bien formés, ils ne peuvent pas prétendre avoir des emplois stables. Donc la formation constitue pour nous un point essentiel et des recommandations vont sortir et qui seront soumises, n'est-ce pas, aux autorités. Quelles sont les attentes auprès du gouvernement? Bon, nous attendons auprès du gouvernement que ces recommandations soient prises en compte. Parce que nous n'avons que le ministère de la parole et de la réflexion. Le ministère de l'action revient aux politiques. Donc il appartient aux politiques de transformer ces paroles en actions et surtout de faire parler des actions. En tant que président de l'association, quel est le message que vous avez pensé à la jeunesse? Le message à la jeunesse, c'est que, je l'ai dit tantôt, il faut que la jeunesse prenne conscience d'elle-même, qu'elle prenne conscience de sa responsabilité, de sa force. Et ensuite qu'elle s'organise de façon à ce que les politiques soient influencées par justement la force de la jeunesse. Et tant que cette jeunesse ne s'organise pas pour amener les politiques à prendre des décisions, on ne trouvera pas de sitôt des solutions par rapport aux préoccupations de la jeunesse. Merci. Quels sont les pays représentés aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. C'est surtout des organisations panafricaines. Donc, ce sont des organisations de jeunes. Il y a les Nouvelles Forces pour la Jeunesse Africaine. Il y a des organisations de Guinée, des organisations également qui sont représentées ici, venant de la Centrafrique et de l'Institut Madiba, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'horizons divers et qui enrichissent au finish la réflexion. Pour waxtan ci li nga xamni moy problème ndaw yi ndax dañu gis ni que problème bi moy ñu sétlu ni que ndaw yi dañuy gën di yok ci walu lim ba paré solution yi nga xamni mom lañu war indi pour safara cet problème dañu bari wu donc problème dañuy gën bari ndax ndaw yi tamit dañuy gën di bari problématique bu tax ñu dañé fi tay. Légui nak dañu bëggoon ci li nga xamné moy forum bi tay dañu bëggoon organiser problème bi dañ ci tank li nga xamné moy problème mu ndaw fi ci Afrique Sénégal ak yenen dëkk suñ ko tanké ba paré manam so jëlé ci arfi li commencé ci walu mbay mi ba ci walu xaliss bi ñu wax zone franc ñu def ci ay proposition xamné dina tax gouvernement ya ak chef d'état yi suñ ko jàngé dañ ci mëna am ay kër xalaat pour indi ay solutions politiques ci li nga xam ne mooy problème ndaw yi. Il faut d'abord ñu encadrer li nga xam ne mooy ndaw yi, organiser cette coopérative ba nga xam ni daa leen appuyer financer leen. Suñ ko defee dina tax xale au lieu ñuy dem ci mbënd bi mënuñu toog seen dëkk bay fa. Mais loolu il faut ñu am aussi moyen, il faut ñu am xaalis état bi appuyer leen. Donc moo tax ci xalaat yi du ñu wax ni que il faut mu am benn fonds de la jeunesse, il y a benn fonds souverain boo xam ne dina tax état bi dina mun organiser jeune mu ko neex. Loolu dafa am solo ndax loolu moo tax état bi di fexe ba ñi nga xam ne moo ci ndaw yi ñu mun leen dee si biir réew. Ndax loolu sa amulee rek ñoom ñëpp dañuy bëgg di dem. Ndaw ñi buñ leen dee ci réew mi dafa nga xam ni moom la ñu xalaat ni que mooy solution pour régler li nga xam ne mooy problème bi mu wax léegi maanaam le fait que ndaw yi di yokk ba pare amul ay solution politique ba pare amul tamit ay intégration politique jeunes yi nga xam ni duñu war dugg fi nga xam ne foofu lañuy décidé ndax seetlu nañu léegi si suñu étude ni que am na ay jeunes yu bari yoo xam ne moo dugg assemblée mais dugguñu fa. Gouvernement bi tamit sooy xool waroon na am jeunes yu gën a bari ñu am mooy li nga xam ni seen âge weesuwul ñett fukk ak juróom maanaam 35 ans. Zek président association des juristes africains. Wàllu formation am na ay wàllu lu ñuy wax CPS ay certificat professionnel de spécialité yoo xam ni actuellement ñu koy def ak waa ministère de la formation pour dimbale ñi nga xam ne dañu génn te amuñu formation bu spécialisé wu bu xarañ ci benn domaine waaw ñu jox leen ay certificat donc loolu aussi ñu ngi ciy yëngatu
de ministère de la formation de Fleuve Saint-Dié yu bari de ñu ko ci sant di ko gërëm ak 3 PD. Est-ce que vous formation yu waaw li ñuy wax de moni ko ministère bi so xol ñi ci document ministère formation professionnel sa manam ku jàng ba paré nek rek da ko def tok ci bureau. Il faut aussi nga am esprit d'entreprise li ñu wax entrepreneuriat loolu la ñu gën dugal tamit ci formation yi ndax li lay tàngal métier ba paré tamit li lay tàngal li ngay créé sa entreprise ak ngay gérer ndax loolu aussi lu am solo la ndax état mënul rek léen état mënul jël ndaw yëpp il faut que jeune yi aussi xool ku ci nekk nooy créé sa entreprise bopp ak nooy manager ba dem ba réussir. Comme état mënul jël. Ce phénomène, vous savez bien, c'est l'urbanisation croissante. L'urbanisation croissante et la présence massive des industries au niveau du capital, au niveau du centre humain.